Revolution. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières mises à jour de notre Google Home. Trois applications sont arrivées enfin en France. L'application des rappels, l'application Monoprix et l'application VCube. Alors pour certaines, ça va se passer par rapport à certaines villes, mais dans tous les cas, la plus importante, c'est celle des rappels. Enfin, les rappels sont accessibles sur notre Google Home et vous allez voir dans la petite démo de cette vidéo comment s'en servir. Merci à vous de regarder donc cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et on va faire tout de suite place à la suite de la vidéo par rapport donc à notre Google Home et les dernières mises à jour. Voilà donc une toute petite mise à jour a été faite récemment, il y a tout juste quelques jours, sur le Google Home. Et en fait, maintenant, il est capable de prendre les rappels. Alors, on va tout simplement lui dire, « Ok Google, rappelle-moi dans 3 minutes qu'il faut que j'appelle le dentiste. » « Votre rappel, il faut que j'appelle le dentiste pour aujourd'hui est prêt. Voulez-vous l'enregistrer ?»« Oui. » « Ok, le rappel a bien été enregistré. » Comme vous avez pu voir, le Google Home vient d'enregistrer ce rappel. Et dans 3 minutes, vous allez voir ce qui va vraiment se passer. On a ensuite la possibilité de lui demander, « Ok Google, parlez à Monoprix. » « Il semble que votre compte Monoprix ne soit pas encore connecté. Vous pouvez associer Monoprix à votre compte Google à partir de l'application Google Home. » Voilà, comme vous venez d'entendre, on a une possibilité, lorsqu'on a un compte Monoprix, de le lui mettre et ensuite faire fonctionner Monoprix. C'est vraiment super génial. Et là aussi, on a une dernière fonctionnalité avec cette mise à jour qui est « Ok Google, parlez à VCube. » « Ok, je vous mets en contact avec VCube. » « Bonjour, je suis là pour t'aider à connaître le nombre de vélos et places disponibles dans les différentes stations de VCube. Que voudrais-tu savoir ?»« Quitter. » « Ok, je te laisse retourner à tes affaires, à plus tard. » Voilà, comme vous avez vu, VCube, c'est pour tout ce qui est vélo libre, place libre dans les grandes villes. Il y a un rappel pour Christophe. Vous pouvez voir ici qu'une lumière reste affichée et clignote pour nous prévenir qu'un rappel est en cours. Ça, c'est vraiment super là aussi. Et donc, ça va pouvoir nous permettre de savoir que l'on a des rappels. Ok Google, quels sont mes rappels ? Vous avez 4 rappels aujourd'hui. Appelez maman le 29 décembre 2017 à 9h45 et il faut que j'appelle le dentiste le 29 décembre 2017 à 16h32. On peut là aussi lui demander donc de faire un rappel journalier ou hebdomadaire suivant ce que vous avez besoin qu'on vous rappelle. C'est-à-dire qu'ici, on va lui dire « Ok Google, rappelle-moi d'appeler le vétérinaire tous les jeudis à 18h. » Votre rappel appelé le vétérinaire tous les jeudis à 18h est prêt. Voulez-vous l'enregistrer ? Oui. Bien sûr, le rappel a bien été enregistré. Donc, comme vous avez pu voir, maintenant, tous les jeudis à 18h, il me fera ce rappel. C'est vraiment sympa cette mise à jour et on a pas mal de nouveautés au fur et à mesure avec le Google Home. Voilà, donc cette vidéo va être un peu courte. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, et surtout de partager et de la liker. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous !